Bonjour à tous et toutes, et bienvenue pour la suite. Undercover, évidemment. Mais non, pas ça. Mettons deux boutons déjà. On va barrer. Juste à côté, hein. On peut le voir un peu sur cela. Alors, quoi de beau? Hop là. En tête, ça va être notre attaque si ça. C'est pas le cas parce que c'est français. Rattrapez-moi ce clown! Oh putain, j'attends! Là, pour tirer, c'est bien ça, hein. En fait, c'est tout rouge. Qu'est-ce qui m'a heurté? Oh, un turbo. Déjà? Comment on met le turbo? Malheureux. Ah bah oh, putain, ils sont cool. 10 à conduire quand même, on va pas se mentir. Un coup de bagnole. Stop! Police! T'as pas la forme! Faites pas de forme dans la police! On vient? Oh! Oh, t'as foutu! Pour la police! C'est pas un truc qui fait qu'on ira plus vite? Arrêtez-vous. Mais ah, un coup de bouton. Je vais vous attraper. Tu t'en tireras pas comme ça. Les malfrats règnent sur la ville maintenant. Plus pour longtemps. Non. Où est là? Non. Ça
Blaze, pouvez-vous me dire où vous en êtes? Eh bien, je viens juste d'arrêter le voleur en fuite. Eh, bon travail! Et ça tombe bien! Un témoin à proximité du Café Red vient de nous signaler un clown qui se dirigeait vers le toit. Ça pourrait être un de nos cambrioleurs, ça, non? J'espère, sinon je risque juste de gâcher une fête d'anniversaire. J'y vais tout de suite. Je ne vous avais pas vu. Bon, où j'ai mis mon sifflet de policier? Un seul coup de ce sifflet devrait me permettre d'arrêter la circulation à ma guise. Ça veut dire que je ne raterai plus jamais un camion de glace. Il faut aller là. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Y a-t-il parmi vous un clown braqueur de banque? Je me doutais que ce serait pas aussi facile que ça. Je ferais mieux de contacter Ellie. Ellie, il n'y a aucune trace d'un clown par ici. Pas d'inquiétude, j'ai mis à jour le logiciel du scanner de votre communicateur. Utilisez-le pour examiner les alentours du toit du café. Il vous signalera toute personne aux environs qui pourrait être un voleur. Et ensuite? Eh bien... vous l'arrêtez? Le chat c'est lui le mec là. Il est tout seul, c'est pas bizarre. Je trouve ce mec un peu trop tendu, bizarre mon chéri. Ah voilà, c'est la caméra pour venir en arrière. Je vais m'acheter une salade de fruits. C'est quoi cette odeur? Je réussis ça là-bas. Comment va la forme? Ok. Il est temps de rendre ces lieux tout gris un peu plus jolis. Ah, c'est déjà mieux. Magnifique! Mais bon, c'est juste mon avis. Ok, en fait, il est derrière. J'ai quand même fait un sacré chemin pour venir arroser les plantes d'un parfait inconnu. Monsieur l'agent. Hop là. Merci. Je me demande si on a besoin de passer un permis pour pouvoir piloter un bateau. On dirait que non, en fait. Tu peux me faire passer, s'il te plaît, merci. Oh, tu m'as presque attrapé. Nananère. Qu'est-ce que tu attends en bas? T'inquiète, j'arrive. Je m'en vais. Hé, tu n'arrives pas à sauter assez haut? Salut. Je devrais occuper mon temps libre à quelque chose de plus constructif.
arrive. Hop là. J'aurais pas dû m'occuper de ça. J'arrive pas à croire que je me suis une malheureuse demi-heure de pause repas. Hé hey Jacques, pourquoi t'escalades pas ce haricot magique? Oh, Cario. Désolé, je l'ai cassé. Ah ah ah. Jacques, le haricot magique, trop marrant. Quel humour. J'aurais pas oublié de payer la facture d'eau. Oh oui, je crois bien que oui. Quel humour, quel humour. Va, donc faut chercher un truc. J'ai bien y faire, mais il veut pas. Ah, ça y est. Qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Mais... Ça revient au point de départ en fait. Pourquoi ai-je donc choisi un régime qui m'interdit de manger du chocolat? C'est donc un point de génétique. Ah voilà, j'ai eu aussi. Là-haut, ça continue à monter. Ok, ça fait les plantes. Cool. Cool, cool, cool. On va faire toutes mes pièces. On est où? Sortez de là, main en l'air. Oh, laisse tomber. Oh, c'est tout. Stop, police. Arrête de me courir après, je suis un clown innocent. Mais oui, bien sûr. Stop, police. Je vais vous attraper. Et voilà. Alors, préférez-vous les questions en douceur ou de la manière forte? En douceur. Ça va bien se passer. J'ai entendu un des autres types dire qu'il embarquerait sur un cargo si le braquage tournait mal. Alors, j'aurais droit à une chouette cellule? Bien sûr. Eh ben, ça s'est vraiment fait en douceur. Chase, vous avez trouvé le voleur? Le timing de vos appels est troublant. Oui, il est en garde à vue. Apparemment, un des autres voleurs serait du côté des docks. Vous comptez l'arrêter, lui aussi? Attendez que je vérifie dans mon agenda. Passez-moi un coup de fil quand vous l'aurez attrapé. Vers les docks, ok. Localiser dernier voleur caché sur les docks. Ouais, il me faut une voiture pour ça. Donc
Donc ça c'est GTA hein, total hein, évidemment, vous aurez compris. Fond en avant. Bon, on va prendre ça vers vite. C'est une urgence. J'espère qu'il a rien. Aujourd'hui, je vais chez Dante. Je suis sûr qu'il me donnera. On est d'accord. Garde les yeux sur la route, Chase. Hop là. Non. Poussez-vous. Et un faute. Un James Bond. Oh, c'est dérapage. Trop bien. Oui, on voit. Hein. C'est pas encore là. Je vais trop loin là. Mais bon, en fait, c'était beaucoup plus long. En fait, on s'est arrêté trop tôt. J'ai acheté trop de choses. Toilettes, même pas les toilettes. Ah, c'est là-bas, ok. Où je viens en fait. Depuis le début, en fait, depuis tout à l'heure, mais ouais, bravo. Wow. Mais à quoi ils ressemblent? Ils se sentent tous en fait. Hein? T'es sûr? Nickel en hauteur. Ah, puis la vue est mal faite. Pas du tout comment ça marche.
Oui, ça veut dire qu'il serait par là. Je comprends pas du tout hein, comment il marche. Inverser la vue, oui, d'accord, mais. Il me dit qu'il est là. J'ai bien zoomé, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux zoomer? Ah, mais t'es pas de mon côté, ok. Ah, super. Et je fais comment pour rentrer là-dedans? Super, nul. Pas encore au point de tout bouton. Hein. L'imbécile qui a bloqué le... Hey, s'il vous plaît, monsieur l'agent, vous pouvez me rendre un service? J'ai besoin qu'on m'ouvre ce portail, là. Ce serait avec plaisir. Super. Suivez-moi. Sur ces caisses et je les soulèverai. Passez par la porte, là-haut, et ne dites pas aux contre-maîtres ce qu'on a fait. C'est contraire aux règlements d'hygiène et de sécurité. Ouais, après, ah, on peut casser ça. Ok. Ah ouais, ok. Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment monter sur ce cargo? Facile! Je siffle un coup et Larry vous embarque avec sa grue. Super! Je serai ravi de le faire dès que ma pause déjeuner sera terminée. Ok, d'accord. C'est-à-dire jamais, vu qu'un sale goéland m'a piqué mon sandwich! Je vais vous le récupérer. Mon sandwich est facile à reconnaître. Il a plus ou moins la taille d'un sandwich. Oh, merde. S'il y a du concombre dedans, c'est pas mon sandwich. Si je tombe dans l'eau, je fais comment? S'il y a une saucisse et de la gelée dedans, c'est bien mon sandwich. Je voudrais pouvoir remonter, si c'est pas trop demandé. Oui, je suis tombé. Ah, c'est là qu'on remonte. Ok. Merci, ça va quand même. C'est un peu chiant ça quand tu tombes, tout remonter. Donc, où est ton sandwich? Évidemment, le mec. Ah. Donne-moi ce sandwich, espèce de rat volant. Est-ce que c'est le bon? Oh, il a l'air un peu dégueu. Ah ouais, carrément. Hey,
Larry, embarque donc ce type sur le bateau. Ok, Doc, chef. Oh, j'ai eu peur à un moment donné. Faut remonter avec l'échec comme tout le monde, hein. Combat, j'imagine. La police. Trouvé. Et pas de chance pour vous, je suis en forme aujourd'hui. Stop, police. Laissez-moi passer. Au nom de la loi, arrêtez-vous. Merci, passé. Attendez un peu. Allez, voilà. On ne bouge plus. Aïe, oh, j'ai un point de côté. D'accord, voilà. Alors. 303. Cool. Ah, chapitre 2. Le passé revient en force. Alors, avez-vous enfin attrapé ces clowns? Oui, chef. Allez donc débloquer la circulation sur le pont d'Auburn Bay. Les petits jeunes ont mis une pagaille monstre là-bas. Je ne crois pas que vous puissiez faire pire. Oh, ça c'est pas me connaître. Hey, bon travail. Une chose que nous ayons arrêté ces clowns braqueurs de banque. Sinon, ça aurait pu se terminer en cirque médiatique. très cirque drôle. Médiatique. Parce qu'ils étaient habillés en clowns. Oh, j'ai compris, merci. Hein. Tu comprends? Comme au cirque. C'est allumé, ce truc? Ouais, c'est allumé. Bon, on va aller débloquer ça sur le pont. Ok. Moi, je voudrais une voiture, en fait. Pas trop demander. Une voiture. Hé hey. Voilà. Oh, où tu vas? C'est comment qui conduit là? Ah, c'est comme GTA. Si j'ai vu pas sur mon bouton, en fait, c'est pas moi qui conduit. Il faut prendre autre chose qu'un taxi. Ok. Toi, viens là. C'est une urgence. Hé hey.
niveau 8. Oula, 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 ils sont bizarrement. Allez, poussez-vous, c'est un flic qui conduit. J'ai tout le droit. Enfin, presque. Si ça verra pas. Donc là, alors on voit avec ce niveau 2. C'est pas un. Moi, je trouve que c'est débloqué ici. Hop. Continuer. Et ben voilà. Donc je crois qu'on va nous amener c'est là pour cet épisode. Nous commencerons le chapitre 2 au prochain tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu puis à suivre différentes vidéos. Je vous en remercie. Allez bisous, au revoir.